Giltako. Je suis artiste peintre. Je suis de la paroisse Saint-Marc de Yupougon-Trois-Rouges. Et depuis Saint-Marc, je suis un peu un pèlerin de l'art et je voyage un peu par-ci, par-là. Et c'est vu que je me retrouve ici, voilà, à Saint-Mathieu. J'ai été appelé. Voilà, ça c'est un appel que j'ai reçu. Bon, faire un témoignage sera un peu long, mais c'est Dieu qui m'a appelé à faire cette œuvre-là. Voilà, et j'étais dans l'enseignement, j'ai laissé et je me suis consacré entièrement à l'art chrétien, bien sûr. Voilà, je peins, je fais des fresques murales un peu dans toutes les paroisses. Voilà, j'ai des traces à Saint-Marc, à Saint-André, à Saint-Jean-Baptiste, de Mamie Adjoa, et jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'au nord, voilà. Donc c'est ça ma vie, voilà. Ça nourrit son homme, ça nourrit son homme. La preuve, je suis submergé d'appels, on m'appelle de partout. Je n'ai pas eu de vacances depuis près de 2 ans. Et puis, ça permet de voyager. Voilà, je connais à peu près tout à Côte d'Ivoire grâce à ce art-là. Et je suis même allé à l'extérieur grâce encore à la peinture. Voilà, donc ça nourrit son homme. Voilà. Je suis moi-même un passionné. Alors, quand on dit que quelqu'un est passionné, c'est tout ton esprit est dessus. Voilà, tu t'enfermes dans l'art. Voilà. Bien sûr, ce ne sera pas facile parce qu'il y a les soucis financiers, mais si tu crois en l'art, si tu crois à ce métier-là, tu auras vraiment toutes les portes ouvertes pour toi. Si tu fais sérieusement ton travail, si tu respectes les rendez-vous, si tu te donnes à fond la caisse sans trop penser à l'argent, je pense que toutes les voies sont ouvertes pour toi pour le succès. Voilà, donc courage. Voilà. Voilà, je tiens à remercier déjà le père curé, voilà, qui m'a fait appel. Alors là, nous sommes en train de réaliser l'une des plus grandes fresques de Côte d'Ivoire. Voilà, l'une des plus grandes et belles fresques de Côte d'Ivoire. J'ai un peu fait la Côte d'Ivoire, bon, j'ai pas encore vu comme ça, et puis avec le vitrail. Donc, je suis en train de réaliser une mosaïque de verre. Voilà. C'est-à-dire que les dessins seront habillés par les verres colorés et nous aurons à la fin tout un habillage de verre. Comme vous voyez, ça a commencé un peu. Bon, je ne sais pas si on voit ça bien. Voilà. Donc, c'est une fresque, une mosaïque, une grande fresque en mosaïque. Voilà. Mais si ce n'est pas encore terminé, parce que là, comme j'ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire l'habillage. Ce sera des verres coupés en tout petits morceaux et qu'on va faire le coupolage en fonction des couleurs. Et puis ensuite, on va faire le remplissage avec l'enduit. Il va colmater et comme ça, on aura une fresque qui sera éternelle. Une mosaïque éternelle. On n'aura pas de problème de peinture, ni de problème d'ancienneté, tout sera éternel. Voilà, c'est l'homme qui peut détruire, sinon voilà, c'est bon. Voilà. Et bien, le dernier mot, c'est quand même un mot de remerciement encore à Dieu et puis au père curé. Voilà, au père Kofi Armel. Voilà, j'ai le nom. Voilà. Et puis je suis ouvert, j'ai des contacts, voilà, donc je peux vous les donner. Voilà, j'ai d'abord un compte Facebook, vous tapez Jules Takuo, voilà, et vous allez voir, je suis en train de dessiner, Jules Takuo, voilà. Et puis le numéro de téléphone, 48 58 96 37, voilà. Avec ces numéros-là, vous pouvez me joindre, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie vraiment et on est ensemble. Voulez-vous nous aider à sensibiliser le monde? Veuillez nous contacter sur nos différentes pages.
restons accrochés. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Ce sera important pour que tu puisses suivre l'ensemble de nos vidéos. Que Dieu te bénisse. Bye bye.